mama, so mama, oh, nea, oh. Hey, so mama, so mama, oh, nea, oh. Hey, so mama, so mama, oh, nea, oh. Je pense que nous sommes avec les danseurs, évidemment, on ne dit pas, je pense. Nous sommes avec des danseurs. Vous les voyez à l'écran. Il s'agit simplement de 40. Nous allons célébrer 40 ans. 40 ans avec Madame Marie-Rose Guiraud. Aujourd'hui, qui nous accompagne sur ce plateau. Thank you.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ce sont les 40 ans de Marie-Rose Guiraud, évidemment, qui nous réjouissent ce matin. Elle est avec nous en compagnie de son époux. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci. 40 ans, ce n'est pas 40 jours ni 40 minutes. Non, ma chérie. Ça nous vieillit, mais quand même, c'est bon. Non, mais vous êtes toujours aussi pimpante, aussi belle, c'est incroyable. C'est la danse qui vous maintient comme ça. Ah, oh, merci, l'art et tout. Là, c'est le sport. Le sport, c'est voilà. Clair. Alors, 40 ans de vie dédiée à l'art du spectacle. Parce que si l'on veut vous contourner simplement dans la danse, ça sera une erreur. Parce que vous êtes chorégraphe ivoirienne, vous êtes actrice, vous êtes chanteuse, auteur, compositeur, conteur, dramaturge, créatrice de costumes, anthropologue, maître de conférences, éducateur et administrateur des arts et points de suspension. Oh mon Dieu. Trop de choses. Hein. Vous avez commencé à l'âge de 4 ans. Oui. Oui, j'ai commencé à l'âge de 4 ans au village, mais jusqu'à 14 ans à cause des études. Ah oui, Ouyabli. Ouyabli. Ok, mais on l'appelle aussi Gloeta. Gloeta. Alors, vous situez. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est à Kwibli. La préfecture, c'est Kwibli. Ok. Ouyabli maintenant est devenue sous-préfecture. Vous faisiez quoi au village, vous dansiez Oui, au village, ça c'est mon travail, parce que je suis une survivante par rapport à ma vie, enfin quand j'étais jeune, j'ai eu des problèmes sérieux de santé, et quand je me suis levée, la première des choses par rapport à tout ce qui a été fait pour que je sois vivante, j'ai pu avoir quand même bénéficié des initiations qui permettent de m'aimer moi-même. C'est-à-dire de m'aimer, de me réjouir de mon corps, parce que je suis sauvé. Ouais, vivant. Parce que, évidemment, quand je me suis levé de cette maladie, j'étais presque handicapé. Voilà. Donc, je marchais presque comme canard. Avec le dos presque. C'est pas vrai, à cet âge, à 4 ans déjà. Ah oui, oui. Wow. Non, moi j'étais bébé quand c'est arrivé. Ok. Donc au moment de marcher, foutu. Donc, avec la danse, avec les initiations autour, on m'a fait savoir que j'ai d'autres missions, que je pouvais utiliser, d'autres moyens que je pouvais utiliser pour survivre. Et la danse a été la première chose. Parce que qui dit masque, dit danse, dit poésie spirituelle. Donc, comme j'étais un peu comme une enfant spirituelle qui protège spirituellement, donc on m'a aidé à avancer dans ce sens-là. Maintenant, quand il a s'agit de danser, d'être avec les autres et tout, j'étais un peu comme une fleur fanée parmi les autres enfants. Parce que j'apparaissais comme un petit midi, une petite midi naine. Ouais. Voilà, avec mes airs sérieux et tout. Et comme j'avais eu des problèmes physiquement, donc, ça est devenu une comédie. Les gens aimaient bien me voir danser. Mais après, c'est les injures et puis, etc. Et puis les moqueries. Voilà, les moqueries ou bien d'autres. Les gens viennent au marché exprès pour voir. Parce que mon nom au village artistique, c'est Gloeta. Mayewe. Gloeta, Mayewe. Mayewe de Gloeta. Ok. Ma, c'est mon nom d'incarnation. Yewe, femme claire de Gloeta. Voilà. Donc vous dansiez au marché. Voilà, les gens venaient me voir. Oui. Et je t'ai dit, Christelle, quand les gens viennent, tu sais, une jeune fille normalement qui apparaît, tout le monde, oh, elle est bien, oh, elle danse bien. C'est d'abord. C'est quoi? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va danser aussi. Mais maintenant, quand je danse, je deviens belle. Donc, j'ai profité et. Comme mes parents m'habillaient aussi pour que les gens puissent rire au maximum, pour que je ne sois pas complexé de rien du tout. Donc, ça, tout a été ensemble. Ça a ajouté quelque chose de plus à mon art parce que ma personne ne peut pas... C'est-à-dire que ma simple personne debout fait venir les gens. Fait regarder, les gens sont obligés de me regarder. Parce que ça attire. Voilà. Tu es très belle, tu attires. Tu es trop vilaine aussi, tu attires, n'est-ce pas?
Donc, d'un extrême à l'autre. Évidemment, donc, les regards sont. Voilà. Donc, moi, je me considère comme une miss parmi les femmes. Donc, c'est comme ça. Mais quand je parle de 40 ans aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé en ville. Ouais. Mais. Christelle, ça vous a aidé en fait de vaincre la timidité et le regard des autres pour développer exactement. Cet art. Parce que je connais toutes les parties de mon corps. Quelqu'un qui s'arrête de l'autre côté de la rue aujourd'hui qui dit « Toi vilaine, là, regarde ta bouche. » Moi j'ai déjà vu ma bouche toute ma vie, je sais comment elle est. Donc ce n'est pas une insulte. C'est clair. Donc en fait les réactions des autres avec le développement de cet art-là, en fait... C'est plus important. Ce n'est même plus ma personne, même n'est même pas important. C'est ce que je veux, ce que je fais. Et le message que je vais apporter, la mission que Dieu m'a donnée. Si j'achève ma mission dans la propreté, c'est ce qui est important. Mais ma personne n'est absolument rien. Et en 1964, après vos études secondaires, vous partez en France. Oui. Et vous arrivez au conservatoire. Ok. Avant de partir en France, j'ai travaillé d'abord dans l'armée française. Ah oui. Comme secrétaire. Il nous l'avait dit, monsieur le maire. Just forget. Voilà. Et c'est les Français qui ont trouvé que j'étais talentueuse. OK. Et qui ont voulu me faire partir en France. Je ne suis pas partie en France après les études comme les autres. Non, pas du tout. C'est après donc la détection de ce talent-là. De ce talent qu'ils m'ont. Ils m'achetaient des saluts, les copains et tout, parce que nous, ici, on ne pensait pas dans le temps que les Blancs aussi chantent ou dansent et tout ça. Donc, ils ont dit, non, si chez nous, on danse aussi, tu peux danser, tu peux faire ton travail, parce que tu n'es pas fait pour être secrétaire. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé à partir en France. Et là-bas, j'ai fait d'autres métiers, infirmière en pédiatrie. Ben, je n'ai pas eu le diplôme d'infirmière, mais je suis resté auxiliaire quand même. J'ai travaillé 2 ans à Lille, à l'hôpital Saint-Antoine. C'est ceux-là encore qui ont dit, si tu ne laisses pas, ça là, tu vas être, parce que je suis tombé malade, parce que je veux faire les deux. Je danse toujours partout où je vais, je chante et tout. Et en même temps, vous êtes à l'hôpital. Et puis, je suis toujours à l'hôpital, je suis tombé tellement malade que tous les sœurs et les prêtres ont dit non. Et juste après la pub, on saura ce qui s'est passé après la maladie. Dans tous les cas, vous êtes vivante en ce moment. Absolument. Et vous êtes là. Absolument. On se retrouve juste après la réclame. À tout de suite.